Thibaut pour les infos du sport. Je suis avec le capitaine du FC Pointe-à-Arrée. Quelle est ta réaction après la défaite face à Vesoul 3-1? Ben, très déçu parce que bon, on prend un but très vite. Et puis après, ben, derrière, on court après le résultat. On a couru après le résultat à peu près tout le match. Il marque ce deuxième but, après on revient à 2-1, on fait le plus dur. Et puis c'est vrai qu'on a l'occasion du 2-2 et puis après ben, on se découvre et puis on pense au troisième but. Mais bon, je pense qu'on ne doit rien à personne, on a fait un très bon match. On est à la hauteur du derby. Après, voilà, ça s'est joué sur un détail. Après, il y a l'environnement. Il y a eu plein de choses à côté qui sont tristes, par contre. Parce que, voilà, c'est deux équipes franc-comtoises. Et puis, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ou à chaque fois que, ben, on se rend compte, c'est très difficile, on le sait. Donc déçu, voilà, pour conclure, très déçu. Parce que je pense qu'on pouvait revenir avec un nul, voire mieux, car dans le jeu, ils nous ont rien montré. Ah ben merci. Bonsoir Thibaut pour les infos du sport. Je suis avec l'entraîneur de Vesoul. Quelle est votre réaction après la victoire 3-1 face à Pontarlier? Ben content de la physionomie du match. C'était pas un match facile contre une très bonne équipe de Pontarlier, mais je pense qu'on l'a bien géré. On a eu des moments difficiles, qu'on a fait le dos rond, on a passé ces moments-là et on a bien géré ce match-là. Et je pense que la victoire est logique. Autant elle n'avait pas été logique au match aller, autant là sur ce match retour, je pense qu'elle est logique. Ah ben merci. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec l'entraîneur du CAP Pointe-à-Arrée. Quelle est ta réaction après la défaite 3-1 face à Vesoul? Bah forcément, on est déçu. Ouais. On était venu là pour faire un résultat. On a très mal entamé le match avec une entame où on prend un but dès la 5e minute. Ce qui gâche un peu notre première mi-temps qui a été assez bonne. On avait assez bien le contrôle du match. Et Vesoul opérait en contre et était dangereux sur des ballons longs. Avec des joueurs qui venaient en deuxième rideau avec du jeu de volet. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, on reprend un but. Et par contre, voilà, on a réagi à nouveau. On a la balle de 2-2. Dommage, on ne l'avait pas. Et puis ensuite, Vesoul marque sur un contre. Donc voilà, forcément déçu de ce résultat. Eh bien, merci. Bonsoir Thibault pour les infos du sport. Je suis avec un joueur de Vesoul. Quelle est ta réaction après les deux buts marqués face à Pontarlier? Ouais, sur le point de vue personnel, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de marquer un doublé. En plus, voilà, ça permet à l'équipe de gagner, c'est surtout ça qui est important. Ce qu'il fallait, c'était qu'on gagne. Donc le travail est fait. Maintenant, j'ai la chance de mettre le doublé pour cette victoire-là. Il faut oublier aussi le troisième but qui est important, qui nous soulage. Et voilà, c'est tout. Là, ça m'arrive à moi. Après, la semaine prochaine, ce sera peut-être un autre. Dans deux semaines, un autre. Tant mieux, pourvu que ça continue. Eh bien, merci.